je pars en vacances. Ah oui. Ah oui, mais avant de partir, vous voulez peut-être savoir ce que j'emmène dans ma valise. Celle-ci? Ah oui, elle est pleine de maquillage. Bon, eh bien, ok. Avant de partir, je vous montre ce qu'il y a dans cette valise hyper lourde. Allez, c'est parti mon kiki. Je tenais à m'excuser du bruit que vous entendez, c'est le vent et malheureusement je n'ai pas réussi à couper ce fond. Je tiens sincèrement à m'excuser. Vous montrer un petit peu ce qui se cache dans cette petite valise. Alors je vous la montre, elle est quand même assez grande. C'est une valise que j'ai trouvée chez Jiffy. Vous voyez, rigide et elle est vraiment super. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc, elle est en deux compartiments. Alors, je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, vous avez une partie comme ceci. Et vous avez donc une autre partie, voilà, ici, où on peut ranger. Moi, je sais que des fois, je mets des palettes. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ça, mais quand je pars juste en week-end, je mets des palettes. Et il y a un autre compartiment ici, vous voyez, où je peux recacher des petits produits. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'emmène. Alors, attention, c'est parti, parce que je peux vous dire qu'il y en a. Hein. J'ai pas fait semblant. Alors, donc, il faut que je vous dise. Donc, là, cette année, je pars 15 jours. Je pars une semaine à la montagne et une semaine à la mer. Donc, autant vous dire, le maquillage va être très léger, mais je serai tout de même maquillée. Alors, donc, il a fallu que je choisisse ma base. Ça va être ça pour tous les produits, hein. Je risque de me répéter. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne une base qui soit light, voilà, si je transpire, qui puisse bien faire tenir le fond de teint ou la bébé crème, parce que à la montagne, je vais faire beaucoup de randonnées, à la mer, je vais faire des balades aussi, je vais aller à la plage, forcément. Donc, voilà, je vais faire un petit peu tout pendant 15 jours, hein. Alors, j'ai choisi de chez Maybelline le Faced Studio Prime. J'ai pris celle qui est anti-rougeur parce que, évidemment, si je marche et que voilà, hein, le cœur s'accélère, eh bien, on a tendance à avoir un petit peu les joues qui rougissent. Donc, je me dis, eh bien, si je mets cette base, déjà, ça peut légèrement atténuer. Donc, celle-ci me servira beaucoup plus à la, je dirais, à la montagne avec les randos, mais je vais m'en servir également pour la semaine à la mer. Et j'ai également pris de chez NYX The Marshmallow qui se présente ainsi. Il faut savoir également que tous les produits que je vous présente se retrouvent dans toutes mes vidéos. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'essaie de vous en mettre le plus possible dans les petits i. Et également à la fin de la vidéo, je vous en mets toujours 3. Voilà, j'essaye d'en mettre le plus possible, comme ça, ça vous permet aussi de visualiser d'autres vidéos dans lesquelles vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise. Donc là, tout ce que je vous présente, vous les connaissez déjà par cœur. Et la Marshmallow, eh bien celle-ci, je vais surtout l'utiliser si j'ai l'intention de sortir. Je sais que je vais vouloir avoir une base un petit peu plus, voilà, comme celle-ci qui est hydratante, qui va lisser, qui va bien protéger, qui va faire tenir le fond de teint. Celle-ci est vraiment topissime, c'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Donc du coup, c'est de là. Voilà. Alors ensuite, eh bien, je vais donc emmener avec moi la bébé crème de chez Garnier. Par contre, c'est la première fois que je vous en parle parce que c'est vrai que j'utilise très très peu de bébé crème. Je suis surtout avec des fonds de teint haute couvrance. Mais l'été, voilà, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur moi. Et ce que j'aime avec cette bébé crème, c'est qu'elle a quand même une couvrance légère. C'est un peu comme si on appliquait un fond de teint extrêmement light. Alors light, c'est-à-dire avec une couvrance vraiment moyenne, mais avec quand même ce fini un peu crémeux, un peu lisse sur la peau. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette bébé crème. Et la première fois que je l'ai essayé, j'ai fait ah ouais, ça par contre ça me plaît, parce qu'il y a d'autres bébé crèmes, malheureusement, c'est vraiment, on a l'impression de rien appliquer sur la peau, de pas avoir de couvrance, que là j'ai quand même une petite couvrance très légère. Et en plus, bah, si on a chaud, il n'y a pas de transfert, elle est vraiment très très bien. Donc c'est vraiment une bébé crème que je vais utiliser, eh bien, toute la semaine à la mer et également à la montagne pour la journée. Par contre,
Si je sors, c'est toujours le même système, mais eh bien, je vais donc utiliser de chez L'Oréal l'accord parfait que j'ai en teinte 3N. Je l'adore. Vraiment, c'est un fond de teint, il est magnifique, c'est notre peau en mieux. Alors quand ils le disent, eh bien sincèrement, je trouve que c'est vrai et c'est pour ça que je voulais absolument l'emmener. Alors j'ai d'autres fonds de teint que j'aime beaucoup, il y a celui de chez Too Faced que j'adore, celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, l'Infaillible aussi. Je les adore, mais il fallait que je choisisse. Et je me suis dit, ben, l'accord parfait, en plus, c'est vraiment notre peau en mieux. C'est vraiment très léger, mais ça cache quand même les imperfections. Donc, je me suis dit, allez, pouf, pouf, abstam, gram, pique, pique, et collé, gram. Bon, donc, voilà ce que j'emmène pour le teint. Hop. Non, il est pas là, il est là. Ensuite, je vais donc emmener des anti-cernes. Alors, j'essaye de vous dire par ordre de la façon dont on se maquille, hein, pour pas perdre le fil. Donc, ensuite, on applique l'anti-cerne et moi, j'ai décidé, eh bien, tout simplement d'emmener l'accord parfait pour, voilà, aller avec le fond de teint, tout simplement, puisque j'aime bien faire ça. Quand j'ai un fond de teint et que je peux acheter l'anti-cerne, eh bien, j'achète toujours ensemble. Et voilà, ce qui fait que forcément, j'allais emmener l'accord parfait. Et puis, pour mettre avec ma bébé crème, ce que j'ai fait également aujourd'hui, j'ai utilisé l'infaillible de chez L'Oréal. Alors, l'infaillible de chez L'Oréal, plusieurs fois, je vous en ai parlé sur ma chaîne, eh bien, il se trouve que c'est un anti-cerne. Pour moi, c'est le dupe du Shape Tape. Franchement, il a une couvrance magnifique. Il s'applique excessivement bien. Il ne file pas. Il lisse la peau. Vraiment, je l'aime beaucoup à un prix, forcément. Par rapport au Shape Tape, c'est pas du tout la même chose. Dès qu'il est terminé, c'est sûr que je m'en achète un autre parce que je le trouve génial et c'est pour ça que je voulais l'emmener dans ma valise. Pour poudrer mon teint. Alors, donc, j'emmène l'infaillible de chez L'Oréal. J'aime beaucoup cette poudre. Elle est extrêmement fine. Elle ne blanchit pas le teint. Elle lisse et donc, je m'en servirai pour toute la journée, mer et montagne. En fait, je pense que vous avez compris que j'ai des produits que je vais utiliser pour toute la journée, que ce soit à la mer ou à la montagne, pour la journée. Et j'ai également pris d'autres produits que je vais utiliser, eh bien, si je suis en balade et si je vais me promener le soir. Je voulais vraiment avoir deux catégories puisque je n'ai pas forcément besoin de mettre des fonds de teint haute couvrance et de mettre des choses vraiment haut de gamme pour aller me balader en montagne et aller à la plage, forcément. Et je trouve que l'infaillible, pour ça, il est vraiment très très bien puisque, voilà, vraiment, il lisse bien la peau, il tient bien. Gamme L'Oréal, la gamme infaillible de L'Oréal est vraiment très très bien, que ce soit l'anti-cerne, que ce soit le fond de teint ou la poudre, j'ai les trois et j'en suis très contente. Et puis, ben, si je sors, voilà, vous avez compris le principe maintenant, eh bien, j'utilise le Shape Tape de chez Tarte, petite houppette. Ce que je trouve ça bien, parce que du coup, ça m'évite d'emmener une autre houppette, parce que celle-ci, je vais m'en servir aussi pour ça. Donc, ça m'évite eh ben, d'emmener une deuxième houppette. Donc, ça, c'est bien, ça me fait gagner du temps d'emmener également ça. On passe donc au bronzer. Alors là, je sais, j'exagère, au lieu de prendre deux, parce qu'au début, je me suis dit, je vais prendre deux catégories à chaque fois. Eh ben, que nenni, je n'ai pas réussi à en prendre que deux. Il a fallu que j'en prenne un petit peu plus. Alors, j'ai pris de chez Sephora. Alors, ça se présente ainsi. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, vous voyez. C'est le voile de soleil et c'est tout nouveau. Et sincèrement, il est très très bien. C'est celui que j'ai également sur moi aujourd'hui. J'en ai pris. J'avoue, j'exagère. Alors, j'ai pris de chez Kiko. Donc, cette poudre. Alors, ce que j'aime bien, vous voyez, vous avez le petit miroir. Ce qui est très pratique. Et cette poudre est vraiment super parce que elle ne va pas marquer, mais elle va être un petit peu plus intense que celui de chez Sephora. Voilà, le voile de soleil va vraiment être beaucoup plus léger. Alors, j'ai également pris de chez Sobio. Alors, je l'aime bien. La seule chose que je n'aime pas, c'est l'odeur. Ah. Ça, excusez-moi de l'expression, mais ça plaît. Donc, mais cela dit, il fait vraiment un très joli teint et il est vraiment très agréable à appliquer. Alors, j'aurais pu emmener que celui-ci parce que finalement, il marque quand même bien. Mais je me suis dit, si vraiment, on ne sait jamais, qu'il y a un petit souci, bah, j'avais envie vraiment d'emmener ce bronzer pour vraiment réintensifier. Et puis, je me dis, si éventuellement, ah ça fonctionne pas bien, bah, je sais que j'ai les autres. Voilà, en fait, je pense que je vais jouer avec les trois, tout simplement. Mais on peut dire vraiment que on va du
moins, on va dire, pigmenté, du plus léger au plus léger. Après, c'est celui-ci. Et après, c'est celui-ci vraiment qui marque vraiment très, très bien. Maintenant, je vais donc utiliser cette petite palette. Alors, ce sont des highlighters. Alors, ce que j'aime bien avec ces petites palettes, c'est que finalement, eh bien, on peut l'emmener partout, puisqu'il y a toutes les teintes. Vous avez vraiment du plus soutenu. Alors, quand on voit un petit peu au soleil, eh bien, ces deux, les deux là, ici, eh bien, sont légèrement pailletés. Et ça, c'est ce que j'aime bien, parce que je peux utiliser un autre highlighter, et si je veux donner un petit peu de paillettes et un petit peu de folie, eh bien, il me suffit de prélever un petit peu ces deux donc highlighters, et ça me rajoute des petites paillettes. Donc pour ça, c'est super bien. Et puis, il y a également ces deux-là qui sont donc dans les, on va dire, dans les beiges clairs et qui vont donner un peu de lumière, mais qui n'ont pas, une pigmentation très, très importante. Donc, petite palette, je trouve que quand on part en voyage, elle est vraiment indispensable. Mais j'avais également envie de prendre un highlighter, on va dire, beige, voilà, gold, et de prendre un highlighter, eh bien, dans les roses, puisque tout dépendra de la façon dont je serai habillée. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je vous les ai déjà présentés en vidéo et la pigmentation est incroyable. Vraiment, je ne pouvais pas ne pas les emmener avec moi. Je ne mettrai pas la journée. Aujourd'hui, je n'en ai pas mis par exemple. C'est vraiment des highlighters. Les highlighters, je les mets vraiment... voilà, ou quand c'est l'hiver, mais quand je vais voilà, en vacances, vraiment, je n'en mets pas ni. Alors, maintenant, passons au blush. Alors, le blush, alors là, j'ai fait du grand n'importe quoi. Parce que je m'étais dit, j'emmène que deux blushs, deux bronzeurs, deux fonds de teint. Et ben non, Anso, elle a complètement craqué. Les highlighters, il y en a trois. Les bronzeurs, il y en a trois. Et les blushs, j'en ai carrément pris cinq. J'ai donc pris celui de chez Rare Beauty. Je vous ai fait récemment une petite vidéo. Et alors, j'ai été mais bluffée par ce blush liquide. Franchement, incroyable. Une pigmentation de fou. Vous voyez, ça se présente ainsi. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je vous en parle un tout petit peu plus. Eh bien, j'ai pris le blush de chez L'Oréal. Vous connaissez mon amour pour ce blush. La première fois que j'ai fait la vidéo et que j'ai fait un crash test, je ne m'attendais pas à une telle pigmentation. C'est vraiment un truc de fou, vraiment magnifique. J'ai également celui-ci que je viens de découvrir, le Colorful de chez Sephora. A mis même chose. Il est, la première fois que je l'ai mis, j'ai fait oh là là, oh j'ai eu la main trop lourde là. Oh punaise. Non, franchement, ce blush, il est génial. Je vous le conseille. La pigmentation est incroyable. Alors, si j'ai pris ces deux-là avec une pigmentation très importante, c'est parce que ce sont deux couleurs un peu différentes. Alors, celui-ci, il est corail. Alors, en plus, pour le prix, on a même un petit miroir. Pour 12 euros, ben franchement, Sephora font des trucs bien. Là, on a même un petit miroir. Donc, celui-ci est couleur corail. Et celui-ci, il est... c'est un... On va dire, c'est pas... C'est un peu un bronze. Hein, on va dire vraiment couleur bronze, les amis. Ils sont super. La pigmentation est incroyable. Donc, je ne pouvais pas ne pas les emmener pour le soir et tout. C'était pas possible. Ensuite, eh bien, j'ai... alors, hop, il faut que j'enlève un peu ce que j'ai sur les doigts. Ensuite, eh bien, j'ai voulu emmener un peu de rose parce que c'est vrai qu'en vacances, on a tendance à vouloir donner juste un tout petit peu de peps aux joues, mais sans trop en rajouter. Voilà, que ce soit quand même assez discret. Alors, j'ai décidé d'emmener de chez Beauty Bay, eh bien, ce très, très joli rose que, voilà, j'avais vraiment envie de l'emmener et j'ai également pris... Alors, c'est celui de chez Sobio. C'est ce très, très joli blush qui est d'une finesse, qui colore légèrement, qui ne fait pas de démarcation. En fait, on a l'impression de ne pas être maquillé et pourtant, les joues ont quand même cette petite teinte. C'est coloré comme si on s'était légèrement pincé les joues. Et franchement, je ne pouvais pas ne pas l'emmener parce que ça, je pense que c'est un blush que je vais utiliser par contre tous les jours. Parce que bah, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, c'est le blush que j'ai sur les joues. Et vraiment, ça donne un voile léger. Donc voilà, j'ai un petit peu triché, mais je m'arrête là, je n'en emmènerai pas plus. Stop pour les blushs. J'ai décidé de prendre deux bases à paupières. Prendre deux bases,
mais avec des embouts mousse justement pour appliquer et ensuite travailler au doigt. Pour la journée, j'ai donc pris Beauty Bay. C'est le numéro 4. Ce que j'aime bien, c'est que la teinte est un petit peu foncée, ce qui fait que si je ne veux pas mettre au niveau de l'arcade sourcilière, si je veux rien mettre, eh bien finalement ça fait un petit peu coloré et c'est ça qui est vraiment super bien. J'ai pris de chez Autrera, donc by Sananas, eh bien j'ai pris The Game, je crois qu'il s'appelle comme ça, de The Game Changing. Il est vraiment très bien. Donc voilà, ce sont donc les deux bases à paupières que j'emmène. Alors, concernant les palettes, alors au début, je m'étais dit, oh, allez, j'en emmène que deux, voire trois. Eh ben non, j'en ai six. Oui, je sais, j'exagère. J'emmène de chez Nocibé, donc l'Interstellar. Ensuite, eh bien, je me dis, je vais forcément avoir des petits hauts roses, des petits hauts fuchsia, des petits hauts. Donc, je prends la Pocket Palette rose. Alors celle-ci, je vous ai déjà fait une petite vidéo et voilà, vraiment c'est super joli. Donc j'ai du bleu, j'ai du rose, forcément il fallait que j'ai du nude. Alors j'ai tout simplement décidé eh bien, de prendre cette palette de chez Makeup Revolution. Donc ensuite, alors j'ai emmené celle-ci de chez With Love Cosmetics, même chose, petite vidéo qui a été faite. Alors celle-ci, ce qui est un petit peu spécial, c'est que ce sont des fards, mais ce sont des paillettes cette fois. Ce ne sont pas des irisés ou avec de légères petites paillettes. Ce sont réellement des fards pailletés. Là, il y en a 6. Et là, je me suis dit, non, Anso, tu ne peux pas ne pas la prendre. Je ne pouvais pas ne pas partir avec des paillettes. C'était impossible. Alors, ensuite, ce n'est pas fini. Je me suis dit que j'allais également emmener de chez NYX mes deux palettes, les Diamond Eyes, la Jewelade and Jared et Diamond alors attendez, j'ai pas mes lunettes, Delirious, voilà. Ce que je voulais vraiment faire, c'était, au début je m'étais dit je vais emmener qu'une seule et grande palette, mais ça m'embêtait parce que oui, j'en ai, quand je pars en week-end, je le fais. J'emmène une et une seule grande palette parce que je n'ai pas non plus besoin d'emmener, mais pour 15 jours, j'ai vraiment besoin d'avoir avec moi un panel très important, que ce soit du nude, que ce soit du rose, du bleu, des couleurs pailletées, enfin un peu plus intenses, des paillettes, pas de paillettes. Faire, autant le faire, hein. Mais vous allez rigoler parce que j'ai emmené des palettes, mais je n'ai pas emmené que des palettes puisque j'ai également pris des fards liquides. Et oui, je ne peux pas m'en passer non plus. Alors, mes petits fards liquides. Alors, que je n'en oublie pas. Alors, j'ai pris chez Too Faced, donc le Milk Chocolate. Également pris de chez Rare Beauty. Je vous ai fait récemment une vidéo, mais topissime. L'application, voilà, c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'ai également pris de chez Beauty Bay, c'est un petit rose. Également pris, alors, de chez KVD, hein, forcément, le Dazzle. Le Dazzle Stick, c'est pas possible, tu peux pas ne pas l'emmener. Franchement, c'est lumineux, c'est même avec les autres palettes, j'ai envie tout d'un coup d'avoir un truc de lumineux. Ah oh, mais il est merveilleux, il est merveilleux. Et je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs. Et puis, je ne pouvais pas ne pas prendre au moins de chez NYX mes petits glitter gold que j'adore. Ils sont pailletés. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'emmène des paillettes. Même que j'ai les paillettes dans la palette de With Love Cosmetics. Bon, je me suis dit, il faudrait quand même que j'emmène des paillettes liquides. C'est pas fini! Et oui, ce n'est pas fini parce que j'emmène également cette ombre à paupières. Alors c'est celle que j'ai mis aujourd'hui en fait à ce niveau-là. Alors c'est un beige, ce qu'ils appellent un beige lumière. Et moi ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que vraiment il est extrêmement clair, mais il va donner vraiment un petit coin de lumière juste ici ou ici. Et j'ai rajouté de chez Beauty Bay, eh bien c'est de la gamme Utopia. Et donc j'ai pris la couleur Air et Vision. Alors que je porte aujourd'hui, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé celui-ci sur toute ma paupière mobile et juste au milieu, j'ai pris celui-ci et j'ai rajouté donc celui-là juste en haut du mascara et roule ma poulette. C'était parti, mon kiki. Hein, vous connaissez le topo. Franchement, mais ça, je pense que je les utiliserai très, très, très souvent. Et puis, eh bien,
Au niveau du mascara, eh bien j'en ai pris deux. J'ai décidé que pour la journée, j'utiliserai le Nocibé, donc le No Compromise, qui fait vraiment de très jolis cils, et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Le maquillage que j'ai sur moi, c'est du maquillage qui est dans ma valise. Et donc, celui-ci vraiment fait de très jolis cils, et je pense que je le mettrai, enfin c'est même pas que je pense, c'est que je le mettrai pour la journée. J'ai pris de chez Maybelline le Sky High, il est topissime. Il fait des cils, mais pire que celui-là. C'est-à-dire que si on le travaille, on le travaille encore et encore, même en mettant uniquement sur le bout des cils, ça allonge. Moi, je peux pas m'en passer. Et d'ailleurs, dès qu'il est terminé, je rachète un autre parce que franchement, moi, j'ai des incontournables. C'est-à-dire que j'ai des produits, je les aime beaucoup, je vais les racheter. Mais du fait que je vous en présente sur ma chaîne, je suis obligée aussi d'en tester d'autres, bien évidemment. Mais je fais quand même de très belles découvertes, puisque j'en ai découvert un récemment. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène, je l'emmène pas. C'est celui de chez Sobio. Et il est vraiment super, ce mascara. Je l'ai retesté et retesté. Vraiment, il allonge bien et j'ai vraiment hésité à le prendre. D'ailleurs, je me dis, est-ce que finalement, je vais peut-être pas quand même le prendre? Je me dis, ah, c'est trop bête, si celui-ci, j'en ai plus, je vais me dire, ah, j'aurais dû emmener l'autre. Hein, les regrets comme ça. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors, au niveau des crayons, j'ai été super méga raisonnable. Vous connaissez mon amour pour les tattoo liners. Je me suis dit, est-ce que je prends tous mes tattoo liners? Non, je suis super raisonnable. J'en ai trois. Alors, j'ai pris quand même deux tattoo liners. J'ai pris juste un noir et un marron. Parce que la journée, mer, montagne, je ne mettrai pas de crayon. Voilà. Là, aujourd'hui, je n'en ai pas mis. Et par contre, j'ai juste pris le Cat Eye de chez Nocibé. Celui-là, uniquement ce feutre-là, pour mettre juste en haut et intensifier. Parce que finalement, vu que je ne vais pas beaucoup en mettre, je me suis dit, ça sert à rien de tout emmener. Là, par contre, j'ai été extrêmement raisonnable. Dites oui, s'il vous plaît. J'écoute, j'écoute. Oui, je suis sûre que vous êtes en train de dire, là, c'est bien, Anso, tu as été raisonnable. Et là, je vous dis merci. Parce que pour la suite, je ne le suis pas du tout. Encore moins que pour le reste. Hein. Nous allons passer aux lèvres. Donc, je n'ai pas pris un, ni deux, ni trois, ni cinq, ni huit rouges à lèvres, mais j'en ai pris 10. Vous allez dire, elle est complètement folle parce que il se trouve que la journée, à part mettre peut-être un petit gloss ou rien du tout, mais voilà, je me dis, en fonction de, vous avez compris le topo, voilà, je me suis dit, ah ouais, mais celui-là, il peut être bien, mais c'est... Non mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Alors, cependant, une petite chose que je dois vous préciser. Je ne pars jamais sans emmener des... alors, le plus connu, ce sont les Nivea, mais d'autres le font. Ce sont donc des baumes à lèvres. Moi, j'aime beaucoup ceux de chez Yves Rocher. Il faut savoir que j'ai un baume à lèvres de chez Yves Rocher sur mon bureau, que je m'en mets régulièrement toute la journée, que j'en ai un autre également sur ma table de nuit et que le soir, avant de dormir, je m'en mets également. Alors celui-là, c'est celui qui est à la mangue et j'ai également fruits exotiques qui est sur ma table de nuit. Ils sont vraiment super. Vraiment, je les adore. Déjà, ça sent super bon. Et depuis que je fais ça, j'ai des lèvres hyper douces, hyper agréables. Donc, franchement, il est important, surtout quand on part à la mer, la montagne, il y a le soleil, il fait chaud, il faut se protéger. Il faut également protéger ses lèvres. Et franchement, eh bien, je les adore, je ne peux pas m'en passer. Donc, il est dans ma trousse. Ensuite, je vais passer à tous mes petits rouges à lèvres. Alors, je l'ai posé sur mes genoux et je prends au fur et à mesure sans regarder. Le numéro 1. Alors, ah oui, il s'agit de celui de chez Sobio. Il est super. Alors, je vous ai fait une vidéo, je vous ai raconté un petit peu ma mésaventure avec ce rouge à lèvres. Franchement, je ne regrette pas et je vais même aller voir s'ils ont d'autres couleurs parce qu'il est super. Alors ensuite, les rouges à lèvres. Alors, je ne pouvais pas ne pas partir avec
mon Super Stay Ink crayon, le numéro 15 de chez Maybelline. Il tient super bien, hyper rapide à appliquer. La couleur est super jolie. Il est vraiment super bien. Et d'ailleurs, dans une de mes vidéos, je vous disais même que j'allais en acheter un. C'est celle de, ah oui, la vidéo de Rare Beauty, que j'allais même en acheter à ma maman, couleur fuchsia, parce que ils sont sans transfert. Parce que oui, si on va se promener, on sera obligé d'avoir un masque. Et c'est bien aussi d'avoir des rouges à lèvres sans transfert. Donc, celui-ci est vraiment topissime. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas partir sans mon rouge à lèvres de chez Beauty Bay. C'est un très joli beige avec un peu de sous-ton rose. Franchement, il est magnifique, celui-ci aussi. Alors, j'en ai qui ressemble. Alors oui, hein, ils sont un petit peu tous pareils, mais il y a quand même des petites différences. Il y a également celui-ci de chez NYX. Pareil, c'est un nude, mais par contre, celui-ci est beaucoup plus beige. L'autre a des sous-tons un peu rosés, mais celui-ci est beaucoup plus beige. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas partir sans celui-ci. Et également un petit peu dans les mêmes tons, mais un tout petit peu plus foncé, hein, couleur mate, eh bien, c'est tout simplement ce rouge à lèvres marron. Que je vais prendre également. Donc là, j'étais un peu dans les nudes avec des sous-tons beige clair, marron, beige rosé. Et puis, alors je regarde ce que j'ai sur les genoux pour rester un petit peu dans la même gamme. Également de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Celui-ci pareil. Et c'est un beige mais avec un peu de sous-tons, on va dire presque dans les beige clair, mais ah, il est vraiment très 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 joli aussi celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors il tient super bien, il est agréable. J'avais vraiment envie de rouge à lèvres, on n'est pas la sensation d'avoir un rouge à lèvres, surtout quand il fait chaud, que ce soit vraiment très agréable à appliquer. Alors je ne pouvais pas ne pas prendre le lifter gloss de chez Maybelline. Et c'est celui que j'ai sur les lèvres, il est hyper agréable. Et puis pour partir aussi dans les glosses, eh bien j'ai pris celui-ci, Sephora, en collaboration avec Richard. Vous avez fait une petite vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un gloss transparent à paillettes. Et je trouve ça super joli. Alors, il m'en reste trois. Alors, donc dans les marrons un petit peu plus soutenus, mais également sans transfert, eh bien j'ai pris le Super Stay. Par contre, c'est celui qui est donc avec le petit embout mousse. Et vraiment, celui-ci, même chose, il tient excessivement bien. Donc, j'avais vraiment envie de prendre mes deux Super Stay. Alors, il m'en reste deux. Alors, eh bien, je prends ce magnifique rouge de chez Kiko. Vraiment super beau. Parce que je me dis, si je veux me faire des yeux très light, mais par contre, je veux intensifier avec le rouge à lèvres. Tout dépend où je vais être. Et puis, eh bien, pour terminer, je prends celui de chez Lancôme. Alors, celui-ci aussi de chez Lancôme, il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci vraiment que très 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 joli également. Je me suis dit, ah ouais, emmener quand même un très très beau rouge à lèvres. Donc voilà, pour les 10 rouges à lèvres, bien évidemment, je ne mettrai peut-être pas tout, mais au moins, je sais qu'ils sont là, je suis rassurée, tout va bien, nickel. Pour terminer, alors là par contre, c'est là où j'ai été le plus raisonnable par rapport à tout ce que j'ai pris, puisque je n'ai pris qu'un seul produit, et bien c'est mon spray fixateur. Et j'emmène le Lasting Fix de chez le Maybelline, j'allais dire L'Oréal, non, c'est Maybelline, de chez Maybelline, parce que je me dis, la journée, je vais en mettre, mais bon, voilà, si le maquillage part un peu, c'est pas très grave. Mais puis je me dis, bah voilà, pour le soir, je sais qu'il tient excessivement bien, qu'il est très très fin sur la peau. Donc voilà, il m'en reste encore pas mal, donc c'est la raison pour laquelle je n'emmène que celui-ci. Eh bien les amis, j'en ai terminé avec ma valise make-up. Bon, je sais que certains vont dire, mais elle n'a pas besoin d'emmener tout ça, je vous le confirme. Mais au moins, quand j'ouvrirai ma valise le matin, je me dirai en fonction, tiens je peux prendre ça selon mes envies, voilà. Et il y a peut-être même des jours où je vais tout simplement me mettre que voilà, du fard sur la paupière mobile, un coup de mascara et c'est peut-être même tout. Mais voilà, je me dis au moins j'ai emmené tous mes petits trucs. Ah voilà, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc voilà,
Bon, comme promis, je vais zoomer pour que vous puissiez voir le maquillage. Alors, Voilà donc le maquillage que j'ai utilisé. Donc vous voyez, hein, c'est tout en discrétion. Les yeux, c'est pareil. Donc voilà, c'est très 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 joli, mais c'est très discret. Vous voyez, j'ai pas mis de crayon, rien de tout ça, uniquement eh bien ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc vous voyez, hein, puis le voile de soleil de chez Sephora, très discret, voilà. Et puis le blush, très très léger, je n'ai pas mis d'highlighter, et juste mon lift gloss. Et je suis à côté de mon olivier. Oh, il est magnifique, il est très très beau mon olivier. Mais bon, pour l'instant, il m'a pas donné d'olive, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant pis. C'est avec la suite de la vidéo. Et voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que cela vous a changé les idées. Et puis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de partir en vacances. Là, ça fait 2 ans que je ne suis pas partie, donc j'ai vraiment hâte. Mer et montagne, je pense que là, c'est l'idéal et que ça va faire du bien. Je serai présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets juste en dessous donc mon petit nom, You and So Beautiful. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications et mettre un petit pouce si vous avez aimé ce style de vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, puisque je ne vous abandonne pas, même durant mes vacances, vous aurez des petites vidéos. J'ai fait en sorte que vous ne soyez pas en peine. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et les amis, surtout, prenez soin de vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que finalement cela vous a donné des petites idées pour partir en vacances. Moi, je me dis, allez, on est parti, hop, je pars en vacances. Si vous êtes en vacances, j'espère qu'elle se passe bien. Et si vous partez, bonnes vacances! Salut! À bientôt!